Bonjour tout le monde. C'est ton jour aujourd'hui. Hein. C'est mon jour ? Ouais. Pourquoi ? Ah oui, ouais, c'est mon jour, ouais, c'est vrai. Allez, souhaitez-moi ma bonne fête. Merci, merci. Saint-Valentin, fais-nous le morning. Allez, raconte-nous une belle histoire pour la Saint-Valentin. Bon, tip top. Alors, vendredi, qu'est-ce qu'on a eu vendredi, messieurs, dames ? De l'action. De l'action. Alors pourquoi on a eu de l'action? Qu'est-ce qui a bien pu se produire? Pourquoi d'un coup ils se sont un petit peu excités comme ça? Il y a eu plusieurs choses. Est-ce que quelqu'un est capable de me les ressortir? Oui, oui, oui. Mais sinon, c'est logique que le Boon prenne donc 2 centiques presque, hein, après clôture, et que notre ami SP500, lui, à l'inverse, il perd 100 points, si je dis pas de bêtises, Tchouk, voilà. C'est Poutine, ça, qui est chaud patate. Ah, ça me plaît, ça. Voilà, 127 points, ce qui représente presque 500 tics, donc ça reste quand même un peu beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec Poutine? Il va envahir l'Ukraine. Ouais, c'est ça. Du coup, pourquoi il y a eu ce mouvement-là? Les Américains, ils ont balancé des plans, des Russes. Ah oui, les sanctions économiques et tout. Ouais, non, ils ont balancé des plans militaires. Comme quoi, la Russie avait plus de 100 000 soldats autour de... Voilà, ils ont cafeté autour de l'Ukraine. Donc à tout moment, cette semaine, même bah, ce week-end, ça aurait pu être possible aussi, la Russie déclenche les enfers en Ukraine. Donc ça, ça plaît pas trop à l'Europe et ça plaît pas trop aux Américains. Sauf que, est-ce que nous, on est en posture de parler avec notre ami Poutine? Non. Pas trop en position de force, non? Le leader européen, c'est qui? L'Allemagne. L'Allemagne. Et l'Allemagne attire son énergie d'où? De Poutine. Donc, si Poutine un jour, il nous dit « taisez-vous », on va devoir se taire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Parce qu'il y a eu autre chose aussi, pour le Boon plus. Madame Lagarde, elle a parlé la semaine dernière et elle n'avait pas enlevé l'idée de remonter le taux dès cette année. Mais elle a publié vendredi comme quoi ils ne souhaitaient pas remonter les taux dès cette année et prendre leur temps. Car ils ne pensent pas que ça aidera pour l'inflation. Ok? Ça, c'est des choses super importantes. Tac. Après, qu'est-ce qu'on a? Calendrier économique. On a pas mal de trucs cette semaine. Cette semaine, j'ai dit, tac. Alors, ce matin, déjà, production industrielle européenne, rapport mensuel de la Bouba, discours de Lagarde, 17h15 déjà, ok. Demain, on a le zoo. Alors, tac, 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 est-ce qu'il y a autre chose avant? Donc, le zoo, ça, tout le monde sait maintenant, indice très important. Beaucoup de news européennes. Toc, 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 prix à la production, très important aussi. On aura pareil chez les Anglais après le mercredi, très important. Les ventes au détail américaines. Ah, pardon, j'ai pas vu. Exactement, adjudication du Boon le mercredi. Non, pas d'IPC. Ouais, au Canada. C'était la semaine dernière, les IPC, qui ont d'ailleurs un petit peu pareil fait bouger les marchés. Bulletin économique de la BCE, pareil, jeudi. Inscription hebdomadaire au chômage, discours de l'âne. Bref, on a vraiment pas mal de news cette semaine et on n'est pas à l'abri d'avoir une news comme quoi les Russes se sont un petit peu énervés sur les Ukrainiens. Donc, à mon avis, cette semaine, on va bien s'amuser. Techniquement parlant, qu'est-ce qu'on a du coup ici? Toc, je vous reset le tout. Qu'est-ce qu'on a de super? S'il y a des choses de super. Ouais, c'est quoi le prix de référence, Dany? La clôture, exactement, le 66,23. Pourquoi c'est un prix de référence? On n'est pas passé au-dessus. Et dis, exprime-toi mieux.
Voilà, on a passé la nuit en dessous de ce prix-là. Donc, on va rester vendeur tant qu'on est en dessous de ce prix-là. Et si on le casse, par contre, on va pouvoir commencer à acheter pour aller chercher une nouvelle zone. OK? Donc ça, moi, je pense que c'est pas mal d'aller regarder en weekly en début de semaine, surtout qu'on est revenu se positionner au-dessus de la zone des 70% d'échange de la semaine dernière. Vous avez ce super niveau. OK, POC VPOC 65-75. Ça, ça peut être intéressant. La psychologie du Boone, est-ce qu'il n'aurait pas changé un petit peu par rapport au discours de Madame Lagarde? Parce que là, il priçait sur le fait qu'elle allait remonter le taux. Là, elle vient d'annoncer qu'elle ne souhaitait pas encore le remonter. Ça peut changer la mentalité des intervenants. Aujourd'hui, il faut être très observateur. OK? C'est pas forcément le jour où il faut mettre ses quatre lots délibés. OK?